Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est votre vidéo préférée de la semaine, c'est le journal créatif de la semaine. Alors, on est au numéro 46, oui, approche les 50. Hein. Alors, d'abord je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît. Et justement, pour ces nouveaux et nouvelles, je vais un peu expliquer ce que c'est le journal créatif. Je le fais un peu toutes les semaines, mais voilà. Donc, pendant 5 minutes, c'est un peu rébarbatif pour les habitués. Alors, le journal créatif de la semaine, je vous montre tout ce que j'ai pu faire sur la semaine, tout simplement. Donc, principalement en broderie, en tricot, crochet. Si jamais je fais une autre activité, ben je vous la montre également. Voilà. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres activités. alors, vous savez aussi que je fais du tirage au sort avec... Hop, pardon, excusez-moi. Hop, j'avais pas ouvert ma tablette. Voilà. Je fais les tirages au sort également avec les roues. Alors, j'avais dit que j'allais faire une nouvelle roue. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps cette semaine. C'est pas grave, j'en ferai une nouvelle la semaine prochaine. La roue de la semaine dernière m'avait proposé de faire... Alors, d'abord en broderie point compté, les pans royaux de Old Forest. Les ronds bleus de l'UKS. Oui, c'est... Non! Lanart. Pardon. de chez Lanart. L'aquarium de l'UKS. Voilà. La grenouille de poussière d'étoile. Ensuite, les salles. Je devais travailler sur Alice au Pays des Merveilles. C'est un Old Forest. Le salle mystère de Sabine de Poussière d'étoile, qui n'est plus un salle, hein, puisqu'il est terminé. Le salle du Nouvel An, voilà, que moi j'organise sur mon groupe. Alice au Pays des Merveilles, je l'organise aussi sur mon groupe. En HAED, je voulais faire la japonaise et le paysage. Il y avait également en estampé le cheval et j'avais également mes impératifs de semaine, c'est-à-dire le sampleur au fil d'étoiles. On peut parler? Merci. Le sampleur au fil d'étoiles que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Je devais faire aussi mes 4 cases du Lily Point que je fais avec Céline, donc sur le thème du chat. Donc moi j'ai Marron en thérapie et elle a un autre Lily Point, mais toujours sur le thème du chat. Je pense
pense que j'ai fait le tour. Non, j'avais aussi l'Halloween Quaker. Voilà, donc ça, je le fais avec plusieurs copinettes du gang des Québécoises. Je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. J'avais aussi ma broderie météo. Voilà, la maison météo. Et j'avais aussi l'étape de la broderie patchwork que je fais également avec le gang des Québécoises. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour. Hein. De toute façon, au fur et à mesure que je vais vous montrer ce que j'ai fait, on va voir si je l'ai déjà dit ou pas. J'ai également mon challenge. Alors, le challenge, c'est un challenge que je fais toute seule. Vous commencez à plusieurs à le faire, c'est sympa. Je m'octroie 3000 croix par semaine. Donc, j'essaye de tenir cette cadence, donc de 3000 croix. Des fois, j'en fais moins, des fois, j'en fais plus. Des fois, je fais pile 3000. Ça dépend. Et après, il y a également mes tricots. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes avancées, bien sûr. Je vais vous parler. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais là, je sais que maintenant, on s'est fixé à peu près des dates. Donc, je vais vous parler aussi des nouveaux duos, trios, quadruos. Voilà, que l'on va faire là, dans les semaines à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui. Allez, on commence, on attaque. Vous êtes prêtes? Allez, on attaque. Alors, on va commencer par les petites broderies et on continuera par les grandes comme je fais d'habitude. Alors, petite broderie. Déjà, celle-ci. Alors, c'est... Oh, j'ai pas piqué. Si, si, mon aiguille, c'est bon. Mon duo Lilypoint, voilà, que je fais avec Céline. Donc, j'ai fait mes quatre cases. Bon, ça correspond à peu près aux deux lettres, là. Hein. J'ai peut-être dépassé d'un point ou deux, mais bon, je n'allais pas laisser ma lettre à moitié. Donc, voilà. Ça, je le brode sur une étamine 12,6 fils, style Vichy gris. Voilà. Alors, cette semaine, malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'avancée de Céline. Elle a été très, très occupée avec son travail et d'autres choses. Donc, elle n'a pas pu broder cette semaine, mais elle m'a dit qu'elle allait se rattraper. Donc, je pense que la semaine prochaine, je pourrai vous montrer son avancée. Voilà. Dans la vie, on a des obligations. Hein. Le travail passe quand même avant la broderie. En plus, je crois qu'elle est en plein déménagement également, donc c'est un peu plus compliqué pour elle. Mais elle ne veut pas qu'on mette de côté cette broderie. Elle veut qu'on la continue. Bon courage, Céline. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Oui. Mes hérons de chez Lanart, mes hérons bleus. Alors, j'ai un peu avancé, j'ai fait 300, plus ou moins 300 croix. Voilà. Alors, vous voyez, donc, voilà, ça s'arrêtait là, hein, vous voyez la ligne. Donc, j'ai fait tout ce qui est ici. Donc, je suis en train de faire le haut de la tête du héron. Toujours aussi agréable à faire. Alors, petite mésaventure du début. Alors, cette semaine, ça a été une semaine avec Pénélope qui a été là toute la semaine. Hein. Donc, sur mon... Je ne sais pas si je l'ai là.
Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Je peux vous montrer comme ça, vous n'arriverez pas à le capter. Voilà, ça maintenant, c'est la partie haute que je fais. Bien sûr, quand j'ai fait la photocopie, j'ai laissé la première ligne de ce que j'avais déjà brodé. Comme ça, j'arrivais bien à me repérer, normalement. Vous voyez le truc arriver? Donc, j'avais fait une ligne au crayon et j'ai photocopié et voilà. Puis, je brode. Puis, d'un seul coup, je dis, tous les points donc, de la première ligne que j'étais en train de rebroder, je me dis, c'est exactement la même chose que la ligne en dessous. Je dis, bon, ça se peut. Hein, donc, je regarde ma grille. Et bien, bien sûr, j'étais en train de broder, donc là, ce que j'ai stabiloté maintenant, j'étais en train de broder ce que j'avais déjà brodé la fois dernière. Donc, ben, j'ai démonté, et puis j'ai refait. Voilà. Mais ça a été comme ça toute la semaine. Toute la semaine, ça a été une catastrophe. J'avais même envie de poser l'aiguille pour la semaine parce que j'en avais marre. Mais bon, il y a des semaines comme ça. Hein. Donc, voilà, mon petit héron. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Excusez-moi, je m'étrangle. Bougez pas. Excusez-moi. J'étais en train de m'étouffer, de mourir. Du coup, j'étais mis aussi un petit verre. Mieux. Oui, donc je disais, j'aime beaucoup mes hérons. Et là, maintenant, j'essaye de vraiment d'essayer d'aller presque ligne par ligne pour ne plus faire des trous comme la dernière fois. Là, quand je dis des trous, c'est qu'il manquait une croix à droite, à gauche, au milieu, voilà. Alors, celle-ci n'était pas prévue, mais vous savez que j'ai envie qu'elle se termine. Normalement, si je m'y mets bien cette semaine, ça devrait être la dernière fois, la semaine prochaine, que je vous la montrerai. Ta-da-da-da ! Des carottes. Et ah, on commence à bien voir que le feuillage, presque tout le feuillage est là. C'est vraiment top. Alors, de ce côté-là, normalement, tout doit être bon. Je vérifierai un petit peu, mais normalement, ça doit être bon. Ah, ben, décidément. Ah, pas mourir en dérive quand même. Là, on voit qu'il en manque. Voilà, donc là, il en manque un petit peu. Moi, j'ai vu qu'il en manquait un peu. Ouais, ici. Ici, il en manque un petit peu aussi. Voilà. Mais c'est presque la fin. La fin des carottes. Les carottes sont cuites. Ah, bah, les carottes sont cuites. C'est rien, faut pas s'inquiéter. Ah, c'est mon petit quart d'heure. Voilà. Mon petit contente. Alors là, les carottes. J'ai fait plus ou moins 350 croix. Voilà. Mais je suis super contente. Ah, on va aller finir. On va les finir. Je vais pouvoir ranger mes fils, tout, récupérer un cuisnap.
Ensuite, non, celui-là, je vous l'ai montré. Ça, j'ai montré. Ici. Alors, c'est ce que je disais. Pénélope est venue me voir aussi sur celle-ci. Hein. Ah, je vous dis, j'ai passé un appel. Hein. J'ai dit que la maman de Pénélope vienne la rechercher, mais personne n'est venu. Le sale de poussière d'étoiles. Alors, j'ai une. Ah, ben, j'ai laissé mon aiguille en plein milieu. Bon, c'est pas grave. Hop, attendez, je vais la remettre sur le côté. J'ai une petite erreur, mais que si je veux la changer, il va falloir que je change une grosse partie. Donc, on va bidouiller, hein, comme d'habitude. Je sais qu'il y en a qui, bon, c'est un très petit nombre de personnes, hein, heureusement. Je sais qu'il y en a qui ne trouvent pas normal qu'on fait des erreurs, qu'on se trompe. Voilà. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà. Donc, il y a une petite erreur ici quelque part. Hein, voilà. Mais si je change mon erreur qui est là, il faut que je démonte toute mon oreille. Donc, j'ai pas envie. Ça se verra pas. Alors, si j'ai une autre erreur, mais c'est pareil, vous voyez, c'est blanc. Donc, ça se verra pas. J'ai fait exactement la même erreur que sur les hérons. J'ai brodé. Donc, là, j'avais brodé en vertical, mais j'ai brodé. Non, j'ai pas brodé la ligne. Je l'ai brodé ou je n'ai pas brodé? Attendez, je sais plus moi. Non, j'ai brodé la ligne de l'étape d'avant. Voilà. Mais bon, ça se voit pas. Comme c'est blanc, beige, voilà, c'est des couleurs claires. Donc ça se verra pas. Ça ira. Puis de toute façon, j'ai hâte de le terminer aussi. Donc, bon, je ne sais pas si elle sera finie la semaine prochaine, celle-là. Il y a encore quand même un petit peu de boulot. Donc, la semaine prochaine, ça m'étonnerait. Mais comme je vous avais dit, j'aimerais bien qu'elle soit finie pour la fin du mois, par contre. Il me reste. Ah, ben non, il ne me reste que la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, dimanche, on est le 30. Bon, ben, on verra bien. On va essayer. On va essayer. Voilà. Il est beau, hein? Il a de beaux yeux. Il a une belle boubouille. Oui, les petites boubouilles. Pas s'inquiéter. Oups. Alors, comment j'ai fait à lui? Combien je fais à lui? Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là. Ah mince, je l'ai marqué où? Bah, c'est fort. Je l'ai pas marqué. Oh, pas marqué. Voilà, j'ai oublié de le marquer. Bon. Alors, je suis à 752. Et la semaine dernière, est-ce que j'ai travaillé dessus? J'avais fait 301. Et donc, 752 moins 301, ça fait. Oh, me demandez pas de calculer de tête. Hein. Alors là, 752 moins. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont déjà compté. Mais arrivé à une certaine heure et un certain âge,
Donc, j'avais fait 451 croix. Donc, je vais me le marquer. Attendez, j'avais oublié. Bon, je ne sais plus quel jour je l'avais fait, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait 451 croix. Voilà. Non. Je suis en train de dire des bêtises. Si, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, oui. Je sais plus. Alors, 331. Là, j'ai fait 331. Là, j'ai fait... Je viens... Ouin, ouin. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Alors, 331. Ah ben, c'est fort, hein. Je viens de le voir. Ah, 301. Voilà, oui, non, c'est bon, c'est pas, j'ai pas fait 400. Plus 301. 632. Et j'ai dit qu'il restait combien? Et puis, alors 632. Oui, je sais, c'est... Et j'ai dit qu'il y en avait 752. 0, 2, 1. Oh, j'en ai fait 120. J'ai fait 120 croix. Bon, c'est pas grave. J'ai au moins, j'ai fait quand même. Mystère. J'ai marqué mystère quelque part, mais où? Alors, j'ai fait 120 croix. Ouais, comme j'avais vu que j'avais gribouillé, enfin que j'avais fait une erreur, ça m'a pris le chou. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'est pas grave. Donc voilà. Bon, je sais pas si ce sera fini pour la semaine prochaine. Mais bon, j'ai déjà mes carottes à terminer. On verra. Ici. C'est quoi, toi? Oui, c'est toi. Alors, toi, il faut que je termine aussi cette semaine. Ça ronfle. Alors, ça, c'est le sale que j'organise sur mon groupe Les ours de Noël de chez All Forest. Voilà. Bon, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a la moitié des sapins, là, à faire. les étoiles, ici. Donc, il doit y en avoir une, deux, peut-être. Peut-être trois. Non, deux, je crois. Et terminer la tête du nounours. Voilà. Et il y a encore des petites fleurs là à mettre. Donc ici, ici, ici et ici. Alors, de toute façon, cette semaine, il y a une erreur sur chaque broderie. Voilà. Je suis restée constante sur ma ligne toute la semaine. Hein. J'ai... Ici, normalement, il y a un décalage d'une croix de chaque côté. C'est collé au petit pantalon de l'ourson. Et ben, j'ai dit, ça restera. Voilà. Je n'avais pas envie de démonter pour une croix. Et comme j'ai fait pareil, j'ai fait la même erreur les deux côtés. Donc, mon erreur est... ça va. Ça se voit pas. Donc, voilà.
Alors lui, je dois le terminer cette semaine pour finir mon étape. Alors mes ours, j'ai fait plus ou moins 400 croix dessus. On dirait pas, mais il y a plus ou moins 400 croix quand même dessus par rapport à la semaine dernière. Et après, le mois prochain, c'est quel qu'on fait le mois prochain, je ne me rappelle plus. C'est moi qui a fait les plans, mais je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. On va peut-être faire celui-là. Je sais plus. Je sais plus si c'est pas celui-là qu'on va faire. Bon, de toute façon, début juillet, je vous montrerai. Après avoir fait le grand-père nounours, le papa nounours, le petit garçon nounours, il y a aussi la petite fille nounours, la maman nounours et la grand-mère nounours. Voilà, toute la petite famille. Hop. Donc ça, c'est à terminer. Voilà. Ensuite. Oui. Alors, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé le verre qui me manquait. Ben, j'ai retrouvé dans mon stock. Hein, ce que j'avais. Vous savez, d'ailleurs, il faut que je continue à le ranger, mon stock. Mais il faut que je trouve du temps. Là, c'est le sale. C'est un sale Old Forest que Julia Roscocon organise. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette partie-là, ici, avec les petites citrouilles et le verre. Donc, j'ai fait combien? 370 croix et je suis arrivée à 69,85%. Voilà, donc on va dire 70% pour ainsi dire. Voilà, je suis contente. Ah, j'ai perdu du temps sur celle-là parce que je retrouvais plus la couleur verte parce que j'étais tombée en panne. Je trouvais plus la couleur verte et puis bon, bah, c'est bon, j'en ai retrouvé un. Et là, avec un, je pense que j'aurai assez pour terminer. Normalement, ça devrait aller. Alors, c'est toujours sur, j'oublie de vous le dire, mais c'est toujours sur de l'étamine. 12,6 fils. Ensuite. Je pensais ne pas avoir beaucoup travaillé, mais si. Fifille dans sa litière. Alors, bon, normalement, je devrais terminer l'étape aussi cette semaine. Je crois que je vais me faire une semaine spéciale fin d'étape. Parce que bah, il ne me reste qu'une semaine. Alice au pays des merveilles, voilà le lapin. Je suis en retard, je suis en retard. Je vais être en retard. Je ne sais plus comment il dit. C'est le lapin qui est toujours en retard. Voilà. Et j'ai commencé également les petites branches fleuries qu'il va y avoir ici. Alors, est-ce que je vais l'avoir fini pour la semaine prochaine, pour fin de semaine prochaine, celui-là? Je ne suis pas sûre, parce que j'ai encore une frise à faire là et une frise tout le long de la broderie. Mais bon, si je ne fais pas celle-là jusqu'au bout, ce n'est pas grave, je vais la faire par partie. Je pense comme ça, ça ira mieux. Voilà. Toujours sur une toile étamine 12,6 fils et celle-là c'est la olive. Voilà.
Bien, Yuli le lapin. Bon, lui ça va, j'ai pas, je crois pas avoir galéré dessus. Si j'ai galéré, ah, c'est pas galéré, j'avais fait une erreur, je l'ai corrigé tout de suite, c'était là, ici. Il manquait une croix, donc j'ai dû démonter tout le pied, là, là, et j'ai remis ma croix qui manquait, et j'ai rebrodé. Donc ça va, c'était pas un gros, gros morceau. Mais là, du coup, j'ai pas laissé, parce que c'est symétrique, donc on aurait vu qu'il y avait une erreur. Il y en a déjà dedans, donc c'est bon. Ah, c'est la petite touche d'Edith, hein, les erreurs sur la broderie. Je ne fais pas exprès, hein. Mais bon. Alors, je ne vous ai pas dit celle-ci. Alors, j'ai fait plus ou moins 300 croix sur celui-là. Ça va. Là, on en fait environ 1000. Enfin, on fait une page. Ça correspond à peu près à 1000. 1000 croix, à peu près, par mois. Alors, j'étais pas sûre de le faire, celui-là. Je me suis dit, bon, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je me suis tâtée, j'ai réfléchi, parce qu'il m'arrive de réfléchir, hein. Voilà. Ouais, de temps en temps, je réfléchis. Et puis ben, j'ai suivi la danse, hein, comme on dit, puisque vous êtes plusieurs à le faire. Bon, moi je le commence tout juste. Vous êtes déjà à l'étape 2. Donc ne me jetez pas la pierre, Pierre. Hein. ça vous rappelle quelque chose, ça? Père Noël est une ordure. Voilà, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est le sale mystère de jardin privé. Alors, ça s'appelle les florales, ça s'appelle Floralie, voilà. Et donc, il faut vous inscrire sur le site jardin privé pour recevoir les grilles. bien sûr, c'est un site, c'est un salle qui est payant. Je suis désolée, mais j'ai très soif. C'est un salle payant. Je crois que ça doit être 7 euros. Je crois que c'est 7 euros. Voilà. Alors, je le brode, voyez, sur une toile étamine. Alors, elle est verte avec des petits points blancs. Voilà, une étamine 12 points, 6 fils. Voilà. Elle est très jolie. Bon, alors, là aussi, j'ai galéré. Ah, je vous dis, ça a été comme ça, mais alors, j'étais régulière sur toute la semaine. Hein, niveau des erreurs, j'ai vraiment été régulière. Je brode, je brode. Alors, j'avais commencé par les feuilles. Enfin, moi, oui, ça ressemble à des feuilles. Donc, je brode toutes celles-ci en premier. Je brode celle-là en deuxième. J'arrive ici au bout. Je me dis, il manque un truc. Ben oui, il me manquait une croix. Mais comme c'est quelque chose de symétrique également, ben, Didith, elle a démonté tout ça. Et puis, je l'ai rebrodé. Voilà. Bon, quand c'est pas du symétrique, que c'est un peu droite, gauche, voilà, c'est mélangé, ça va. Mais quand c'est quelque chose de symétrique, s'il y a une erreur, si vous ne la corrigez pas, ça va se voir. Ça va tout décaler et puis il n'y aura plus rien de symétrique. Donc là, bah, j'étais obligée. Hein, voilà. Et la petite fleur. Voilà. Sinon, il est très sympa à broder. Hein. Il est. Ouais, si j'avais pas. Alors, il manque deux couleurs pour l'instant. Ouais, deux ou trois. Donc, il faut que je fouille. Je vais faire ça demain, dimanche. Je vais fouiller dans mes boîtes de fil. En même temps, je vais essayer de ranger, continuer à ranger dans les sachets pour trouver les couleurs qui manquent. Je sais que je les ai. Ça, c'est sûr et certain. J'ai les couleurs.
Mais bon, j'ai quand même cinq grosses boîtes bien tassées d'échevettes. Donc, il faut que je fouille. Et parce qu'au début, elles étaient à peu près dans l'ordre. Vous savez, quand je recevais les paquets, souvent, que ce soit par paquet de 100, 200, et ensuite, après, les paquets de 447. Quand on les reçoit, elles sont dans l'ordre, mais à force de fouiller, de fouiller, de fouiller, ben c'est plus dans l'ordre. Là, tout est mélangé maintenant. Mais bon, je sais que je les ai, donc c'est pas un problème. Et il va falloir que je le trouve rapidement parce que la troisième feuille, c'est avec une couleur qui me manque. Alors. Oui. Ma plus grosse boulette de la semaine. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo. Vous avez dû le voir. Où je marquais où la boulette. Qu'est-ce que tu fais, Pacha? Qu'est-ce que tu manges? Bon, on fait une petite pause. J'en ai deux qui veulent aller hein, au pipi room. Me revoilà. Alors, je vous disais, oui, cette semaine, ma plus grosse boulette. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête. Mais alors, enfin, si, je sais que j'ai pas lu la bonne ligne. J'avais été sur mon calculateur de toile. J'ai pas lu la bonne ligne. Ce qui fait que normalement, bon, moi, c'est, on va dire que c'est un kit presque, puisque j'avais reçu les grilles, la toile, et j'ai reçu les fils après. Mais la toile était à la bonne taille. Donc, je sais pas ce qui m'est passé par la tête de vouloir calculer la toile. Et d'aller la couper. Gaston la gaffe, hein, c'est Bibi. Alors, depuis que je vous ai fait la vidéo là dans la semaine, je n'ai pas retravaillé dessus, mais je travaillerai dessus cette semaine, parce que j'avais demandé si vous vouliez une vidéo. Donc, je vous ferai la vidéo. Alors, c'est ce modèle-là, je vous remontre, Autumn Quaker, voilà. Donc, c'est de Karen Kluba. Donc, à la base, il fallait une toile qui fait environ 50 sur 70 cm en étamine. Puis, ben, moi, je l'ai coupé à moitié. Voilà. Sur mon calculateur de toile, au lieu de lire le 12,6 fils brodé 2 fils, j'ai fait le brodé 1 fil. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Parce que du coup, alors c'est vraiment le tout début. Hein. Parce que, du coup, alors bon là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais dans l'autre vidéo, je vous le montre de très très près. Du coup, je le brode en un fil de trame avec un fil. Du coup, voilà, la broderie va être plus petite. Ça, c'est pas un moindre mal. Bon, par contre, j'ai peut-être pris une grande marge, je trouve, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais peut-être l'agrémenter. Je verrai quand elle sera finie. Et quand elle sera finie, je verrai si je l'agrémente avec une vieille dentelle ou je sais pas, peut-être, on verra, mais bon, j'en suis qu'au début, donc là, bah, du coup, je suis obligée, parce que, vous voyez, voilà, je suis obligée, mais voyez, oh, j'ai quand même une grande marge, hein.
quand même une grande marge. C'est une marge de 10 cm. Mais pourquoi j'ai été faire une aussi grande marge? Je sais pas. Avant d'aller plus loin, je vais bien tout recalculer. Que vous voyez, là c'est le coin. Hein. Et tic, tic. Donc je vais bien tout recalculer avant de continuer. Parce que là, j'aurais les boules si jamais je m'étais encore plantée. On ne sait jamais. Parce que ça me paraît très très grand. Ouais, ça me paraît très très grand. Bon, on verra bien. Excusez-moi. Ah, aujourd'hui. Ça coince. Donc, du coup, je brode avec les fils Valdani. Normalement, je devais broder en deux fils. Mais là, du coup, je brode en un fil. Donc, du coup, ça va me faire user beaucoup moins de fils. En plus, vu le prix des fils, ce ne sera pas négligeable. Il m'en restera pour faire d'autres broderies. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse boulette de la journée, de la semaine. Et là, je vous dis, je vais quand même bien tout recalculer parce que je sais pas. J'ai un doute, là, en vous le montrant, j'ai un doute. Bon, je pense pas, mais... celui-là, je ne sais plus si j'avais mis... Ouais, j'ai fait 100 croix. Bon. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Alors, ça, c'est quoi? Oui. Ensuite. Ouais, je croyais pas avoir fait beaucoup, hein, mais... Ah, il y en a une que j'ai pas été chercher. Bon, j'irai la chercher après. J'ai oublié de la prendre avec moi. Alors, celle-ci... Petite galère également. Hein. Je vous dis, c'était la semaine. Hein. Alors, ça, c'est celle que je fais. Alors, c'est le Halloween Quaker. Donc, que je fais avec une partie du gang des Québécoises. Hop. Alors là, normalement, j'aurais dû finir ma sorcière. Alors, je vais vous mettre des photos parce que là, à l'écran, ça va être difficile de vous le montrer. Alors, pareil, je vous dis, j'ai une erreur. Alors, une erreur. Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense plutôt que c'est dans la verticale. J'ai raté une ligne. Enfin, ouais, il me manque une croix, donc j'ai raté une ligne. Mais ça va. J'ai bidouillé. Ça se voit pas. Voilà, ma sorcière bien-aimée. Alors, la lune n'est pas finie, hein. Je dois finir la lune, là. Et là, j'en suis arrivée à son chapeau. Voilà. Donc là, je suis à son chapeau et j'ai changé de fil. Je le fais avec... ah non, je ne l'ai pas là, mais je vais vous mettre la photo. Je le fais avec ce fil-là. C'est un fil un peu, qui est plutôt fluffy. C'est de la mohair, donc ça va faire un petit peu en relief son chapeau avec un petit peu de duvet. Voilà. Sinon, la sorcière en elle-même, alors bon, à l'écran ça se voit pas, hein, mais la sorcière en elle-même est brodée avec un fil étoile noir. La lune, elle est brodée avec un fil étoile blanc. Et c'est tout. Oui, le reste, c'est le moulinet normal DMC. Je brode sur une toile de lin. Voilà. Donc, à chaque fois, j'oublie le nom de cette toile. Enfin, je me fais un petit mémo.
C'est une toile de Lincès Fil Newcastle Seagate Vintage Marron. Voilà. Donc je vais, il faut que je termine son petit chapeau, terminer la lune, voilà. Et là, on va tirer au sort la partie que l'on va continuer à broder, donc autour de cette petite sorcière. Là, il y a encore un petit bout de balai à faire ici, mais bon, ça va aller vite là. Alors le chapeau, lui, avec ce fil là, je le brode en un fil. J'avais essayé en deux fils, mais ça faisait trop serré. Donc là, je le brode avec un seul fil pour faire le chapeau. Voilà. Alors, la petite sorcière, j'ai fait 529 croix. Et j'en suis à 5,66%. Donc j'avais bien travaillé dessus. Oh. Ça c'est quoi? Ah oui, ça fait partie des grands. Non, ça je n'ai pas corrigé. Alors ce que j'ai pas fait cette semaine. J'ai pas fait le fox. Vous rappelez, il faut que je démonte la queue. Celui-là. Alors, on va le. Je vais le reprendre au début juillet avec Amélie, ma petite québécoise de la chaîne Diamant. Ah, j'ai oublié. Pas bien. Dazing et Diamant. Voilà. Donc, elle le prend en cours de route. Moi, j'avais déjà fait un peu plus de 400 croix. Donc là, je l'attends hein, de pied ferme. C'est pour faire le petit hôtel de poussière d'étoiles. Voilà. Donc ça, je le fais sur une toile étamine irisée. Voilà. 12,6 fils. Et donc là, on va reprendre début juillet. On va se le faire en duo. Et on va faire environ 1000 croix par mois. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps ça va nous durer. Mais je pense que ça devrait aller assez vite quand même. Voilà. Ça, c'est quoi? Le colibri, j'ai pas fait. Le sale de Nouvel An, je ne l'ai pas fait. Je pouvais pas tout faire non plus. Hein. Le Bouddha. Le Bouddha, je l'ai pas fait. Si je me fais un coup, chaque fois, si je mets mal mon épaule, ça me fait mal. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est l'aquarium. Je l'ai pas fait. Et celui-là. La grenouille. Oh. Je n'ai pas fait la grenouille. Voilà. Voilà. Non, dans les petits, enfin les petits, les broderies de taille normale, j'ai quand même bien travaillé. J'ai quand même fait donc le lily point chat, les hérons chez la Nart, la carotte de lily point, la broderie ours, le sale mystère, jardin privé, le Autumn Quaker. Le sale de Julia, le sale Alice au Pays des Merveilles, le Halloween Quaker, et voilà, dans les tailles normales, c'est tout.
Alors, je vous stoppe juste une seconde, mais pour vous, ça ne va rien faire. C'est parce que j'ai juste oublié de prendre mes broderies estampées. Donc, je vais les chercher, elles sont juste là. Et j'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, normalement, en estampé, j'avais prévu le cheval. C'est ce que j'avais prévu. J'ai pas fait de cheval. J'ai fait Madame Celtique de Noël. Voilà. Donc, j'ai presque fini sa jupe, sauf le doré. Hein. J'ai presque terminé sa jupe. Il me reste une couleur à faire. Vous voyez sur sa jupe, là, le bleu ciel. Là, tout le bas est fait, sauf ce qui est en jaune n'est pas terminé, puisque c'est le fil doré. Et après, il me restera à mettre les perles. Il y a quelques perles qui viennent ici, il y en a déjà, mais j'en ai encore quelques-unes à mettre. Voilà. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'ai bien avancé dessus. Elle va vite à faire. Et puis moi, l'estamper, comme je vous ai dit, l'estamper, je ne le fais pas avec un tambour ou un métier à broder. Je le brode comme ça sur le dessus. Et je tiens mon ouvrage et puis hop, 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 hop. Donc ça va très vite. Voilà. Donc bon, là, quand je vais monter ici, il va y avoir un peu de confetti, les cheveux un petit peu aussi, mais ça devrait aller. Après, une fois que je vais faire ça, là, ça devrait aller assez vite. Bon, de toute façon, je pense que je l'aurai fini pour Noël. Hein. Elle est commencée quand même depuis un petit moment. Donc là, j'aurais bien qu'elle soit finie pour ce Noël ici, mais je pense qu'elle devrait, elle devrait être terminée. Donc, j'ai fait combien de points? Plus ou moins 350 croix dessus. Et j'ai quand même fait... Alors, j'avais prévu de travailler que sur un seul estampé. Mais du coup, j'ai fait sur deux. J'ai bossé un peu sur mon cerf. Voilà. Alors, j'ai terminé la partie grise que j'avais commencé la dernière fois. Vous voyez, ici. Toute la partie grise est finie. Et j'ai commencé... Alors, elle est où l'autre? Elle est là. Et j'ai commencé la deuxième partie grise qui est ici. Donc là, bon, il n'y a pas beaucoup, mais j'ai commencé un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai fait plus ou moins 400 croix sur celui-là. Mais c'est pareil, hein, il est très agréable à faire. Et c'est que du bloc. Donc, c'est pareil. Hein, je me mets devant la télé, je prends mon fil et puis... le soir, je ne fais même pas la journée, je le fais le soir devant la télé. Ça va vraiment tout seul. Donc, le cerf, pour celles qui ne connaissent pas, c'est celui-là. Voilà. J'ai quand même encore, j'ai de quoi faire hein, au niveau fil, vous voyez. Il y a beaucoup d'orange. Mais il est très joli aussi. Alors, niveau estampé, c'est tout. J'ai pas repris ma fleur encore. Je vous l'ai dit à la fois dernière, bon, je suis moins motivée maintenant pour finir mes trois fleurs. Donc là, j'en ai une à finir, d'ailleurs. Je ne sais même pas où elle est. Elle est là. Celle-ci. J'ai pas remis la main dessus depuis 15 jours. Ouais, peut-être plus. Pourtant, il ne reste pas grand-chose à faire. Hein. Mais d'avoir été abandonnée par ma binôme, bah, ça m'avait mis un peu les boules. Voilà. Donc, vous voyez, il ne reste pas grand-chose à faire. Après, il restera le point arrière. Ouais, mais bon.
Je vais finir, hein. J'en ai encore deux à faire, hein, dans cette collection, dans cette série. Bon, tu rentres ou tu rentres pas? Tu veux pas rentrer? Ah. Et du coup, mon cheval, ben, je l'ai pas, j'ai pas fait mon cheval. Il est où mon cheval? Il est là, mais. Bah mince, attendez, j'ai perdu mon cheval. Il est parti à la pâture. Il est là. Lui, c'est pareil. Bon, il y a encore quelques heures de boulot dessus, mais pas énorme. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Donc, le plus long, ça va être ici en haut. Hein. Voilà, le fond. Et après, tout... Bon, il y a quand même encore... là, dans les oreilles, dans les yeux, ici, dans le... Ah, l'autre jour j'ai dit non, maintenant je ne me rappelle plus. Ben, vous savez, voilà. Donc, pareil, j'aurais bien qu'il soit fini, que je puisse le laver, l'encadrer. Alors, je sais pas où je vais le mettre, peut-être dans la chambre. Pourquoi pas. De toute façon, ma maison n'est pas extensible non plus. Donc voilà. Alors ensuite, ah mince. Ensuite, oui. Je vous avais dit qu'avec Sonia et Geneviève, voilà, qui font partie du gang des Québécoises, on va commencer. Alors, le PDF, comme ça, je vous montre l'image. On va commencer un long dog templer. C'est le Toumens Maurice. J'ai pas encore préparé ma toile, je vais la préparer là cette semaine. Donc c'est celui-ci. Donc ça y est, on s'est arrêté une date pour le commencer. On devrait le commencer à partir du 15 juillet. Bon, moi j'ai pas encore. J'ai une idée de toile, mais quand je réfléchis. J'ai peur que ma toile soit trop vive pour ça. Donc, je pense que je vais prendre une toile classique, toujours en étamine, bien sûr. Je vais prendre une toile classique. Et alors, Sonia va le faire avec plusieurs couleurs. Mais je pense que je vais le laisser monochrome, en une seule couleur. Parce que... par facilité, voilà, par facilité, je pense que ouais, je vais le laisser en monochrome, ce sera beaucoup plus simple pour moi, mais suivant la toile que je vais prendre, après je vais voir quelle couleur je vais choisir, de la couleur du fil par rapport à la couleur de la toile, mais je vais prendre, je vous dis, une couleur. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Je vous avais dit, j'ai une toile de lin en blanc irisé. Je ne sais plus quelle taille elle mesure. Donc, il faudra que je mesure suivant sa taille. Soit je vais m'en servir pour cette broderie. Voilà. Au moins, ce sera quand même une toile assez simple. Soit je vais l'utiliser pour... l'autre broderie qu'on va commencer ben, la semaine prochaine. Oui, Sonia veut ma mort. Hein, Sonia, tu veux ma mort? voilà, maintenant, je ne sais plus à combien on est à faire cette nouvelle broderie pour celle que je vais vous montrer après. Là, donc, si je fais sur du lin irisé blanc, je sais pas. Alors, je vais pareil, je vais pas m'embêter à prendre un fil spécial ou quoi.
Je crois que je vais rester vraiment classique, classique, classique. Je vais prendre un coton mouliné DMC, mais je ne sais pas quelle couleur. Pas le noir. Hein. Le noir, ça me plaît pas beaucoup. Peut-être ou alors en 939. Là, je sais pas ce qu'il propose là. Qu'est-ce qu'il propose comme couleur? Bah, ils en proposent pas. Donc, tu fais la couleur que tu veux. Ouais, non, ils proposent pas de couleur là. Non, ils ne proposent rien. Bon, c'est pas grave. Donc, soit un 939 ou je sais pas. Je ne sais pas encore. Mais bon, j'ai jusqu'au 15 juillet pour voir ce que je vais faire. Alors, je vais peut-être faire une petite correction, enfin pas une correction, un petit changement sur la toile. C'est que là, vous voyez, c'est marqué où ça? Là, 2020. Oui, 2020. Du coup, moi, je marquerai. Alors, si on le termine en 2024, bah, je marquerai 2024. Si on le termine en 2025, je marquerai 2025. Voilà. Le dernier chiffre, je le laisserai et je le broderai vraiment pile à la fin. Comme ça, voilà. Donc, je mettrai la date de l'année où moi, je l'aurai terminé. Ensuite, alors là c'est pareil, j'ai pas préparé encore. Je l'ai mis où? Je sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus. Ah, je l'ai même pas mis là. Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Là peut-être, oui. Il y a un sale qui commence donc ici le 1er juillet. Moi je vous avais dit, hein, je ne fais pas le. Je l'organise, mais je ne fais pas le sale des 100 chouettes et le sale de l'île au trésor. Par manque de temps, hein, tout simplement. Bah mince alors, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Là là. Mais bon, je ne l'ai pas enregistré sur la tablette. Rien, je vais aller chercher la photo. Ouais, ces deux-là, je ne les ferai pas. Je les ferai peut-être par la suite. On verra. Hein. Mais je ne les fais pas pour le. Je ne les commence pas là, le 1er juillet. Par contre, on commence un nouveau sale. Pareil, le 1er juillet. Et où? Ça m'énerve sur la tablette parce que c'est pas comme sur l'ordinateur. Oh, voilà. C'est le sale du calendrier de l'Avent. Voilà. Donc c'est un modèle Etsy. C'est un modèle que j'ai choisi pour changer des bonhommes de neige, des sapins, des Pères Noël. Voilà. Donc, on est quand même pas mal à le faire sur mon groupe. Donc là, j'ai dit aux filles qu'elles pouvaient commencer déjà à broder le cadre. Voilà. Comme ça, ben, les cadres, ils seront faits. Là, elles ont une semaine. Bon, si elles n'arrivent pas à le broder en une semaine, je comprendrai, hein, c'est pas grave. Mais comme j'ai expliqué, c'est de commencer par le haut. Comme ça, on aura déjà les cases du haut de fait. Et après, on va faire une case par semaine, les intérieurs. Voilà, donc je pense que ça devrait aller, mais on verra. Donc celui-là, je vais le faire. J'ai pas encore préparé ma toile. Et bah, celui-là, je pense que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'avais dit, je ne sais pas, je réfléchis. Mais bon, c'est vrai que je suis trop tentée. Bah, je l'ai acheté. Donc, ça fait un an au moins que je l'ai acheté, je crois. Ouais, un petit peu moins d'un an. Enfin, je sais plus. Voilà, c'est le tigre, voilà, de chez Lucas.
Donc c'est celui-là que l'on va faire à plusieurs, je ne sais plus à combien on est, mais pareil avec le gang des Québécoises, on va l'attaquer. Alors je sais que Sonia, alors moi je pense que je vais faire pareil parce que je n'ai pas envie de me taper un fond blanc, pas du tout, j'ai vraiment pas envie. Et c'est pour ça que j'hésite avec ma toile de lin irisé. Là, je sais que Sonia et les autres vont prendre aussi une toile irisée blanche. Et du coup, j'hésite. Je pense que je vais quand même prendre celle-là si la taille est bonne. Hein. Là, il me faut une taille de 48 sur 32. Oh, ça devrait le faire. Et encore là, c'est de l'Aïda 16, hein, 16 CT. Donc le lin, ce sera encore plus petit. Donc ça devrait le faire. Parce que vous voyez, tout ce qui est là, là, on dirait un peu du gris, mais voilà, tout ça, moi je ne vais pas le broder. Sonia ne le brode pas non plus. Les autres, je ne sais pas. Donc tout ce qui est blanc autour, on va pas le faire. Voilà. Ça va comme ça va donner du relief à la broderie et ce sera beaucoup plus joli. Alors là, celui-là, je ne sais pas en combien de temps. Hein. On va y aller mollo, hein. Je suis plus de première jeunesse, hein, moi. donc on va y aller mollo et puis on verra bien. On verra bien. Voilà. Du coup, je commencerai. Alors je pense que les autres vont faire pareil. On va commencer par son petit nez. Voilà, par le milieu. Alors, il y a combien de couleurs? Il y a 65 couleurs. Vous voyez, vous les voyez ici. Je vous l'avais déjà présenté, hein. Voilà, je vous montre. Je ne vais pas tout redéballer, mais voilà, vous voyez. Et il y a une toile hein, dedans. Mais du coup, comme c'est une Aïda, j'ai pas envie de me servir de l'Aïda. Voilà. Voilà, c'est une Aïda blanche 16 CT. Vraiment tout ordinaire. Et vous voyez, donc déjà là, en Aïda, pas très très grand, voyez, donc en lin, oh tiens, j'avais même marqué le milieu, tu vois Sonia, il y a ça fait un moment, j'avais marqué le milieu, donc j'avais quand même l'intention de la broder. Oui, c'est pour ça que je vais la faire avec une autre toile, et celle-là je la garderai pour faire autre chose. Où je la donnerai pour à ma belle-fille. Elle brode que sur de l'Aïda. Pour l'instant, c'est de l'Aïda 5-5. Mais elle va finir par broder plus petit. voilà, je pense avoir tout dit. Alors, je sais qu'il y a Armelle, si tu passes par là. J'ai vu ton message. Hein. T'inquiète, j'ai pas répondu. Par manque de temps et puis si je le fais pas tout de suite bah tu me connais, si je fais pas tout de suite bah c'est mort hein, je reviens dessus plusieurs semaines après. Elle veut faire un duo avec moi avec les toiles estampées que je vous avais montré, je vous les montre, voilà, avec les toiles spring, voyez, donc il y avait la confiture, les œufs, le pain et thé café, voilà. Alors c'est des petites toiles hein, c'est pas des grands trucs. Je vais juste vous en remontrer une, je vous l'avais montré en unboxing, mais c'est pas des grands trucs à broder, c'est vraiment du gros partiel, donc ça va, vous voyez. C'est vraiment des petites broderies, voilà. Donc je sais qu'elle veut faire en duo avec moi,
Elle attend de recevoir les siennes, donc je verrai. Bah, là, de toute façon, elle est absente de chez elle pour le moment. Et puis, on verra quand elle les recevra. Et après, on verra quel rythme et tout. Mais on va y aller mollo, hein, Armel. Ouais, on va y aller mollo. Donc voilà. Alors, c'est une série de 12, hein, mais moi je ne prends que ces 4-là. Je n'en prendrai pas plus. Voilà, je prendrai que ces 4-là. Et après, bah, je verrai. Bon, mais pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour. Terminé, fini. Nada, je ne commence plus rien d'autre. Fini. Non, non, non. Même sous la torture, vous ne m'aurez pas. Bon, je m'étais dit quand même que il y a une petite broderie que je voudrais faire, mais elle est toute rigolote. Là, cette semaine, par contre, absolument. Donc ça, je vais faire ça lundi. Je vais me mettre dessus lundi à fond. Il faut que je le commence lundi, je le termine lundi. J'ai un ATC à faire. Je crois que j'ai même oublié le nom. Sabrina. Sabrina, c'est avec toi. Heureusement que je marque tout parce que sinon j'oublie. J'ai un ATC à faire. Donc j'ai même pas encore eu le temps de le broder. Donc ça, je vais m'y mettre lundi. Absolument. Sans un ATC, c'est ça. Hein. Voilà. Il y a quoi? 100 points, 150 points. Donc, il n'y a pas de... Ça va vite. Après, même le montage, ça va, c'est rapide. Donc, je vais faire cet ATC absolument lundi. Et je vais me le marquer tout de suite sur mon carnet. Parce que sinon... Alors, je sais que le lundi, comme le dimanche est sur la page derrière, je coupe le lundi en deux pour marquer le dimanche et le lundi sur le même truc. C'est pour ça que j'ai hâte de commencer le nouveau carnet que je vous avais montré. Parce que là, au moins, c'est une page par jour. Et donc, c'est bien. Alors, dimanche. ATC. Voilà. Et je mets des points d'exclamation. Voilà. J'ai dit que je le faisais lundi, j'ai marqué dimanche. C'est pas grave. J'avais dit que alors, je vais vous montrer les grandes broderies après. On est à quoi? 1h11. Waouh! Donc, je n'ai pas remis à jour mes roues. J'avais dit que j'allais faire une seule roue pour tout. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, ce n'est pas très grave. On va refaire le tirage comme j'ai fait auparavant. Voilà. Donc là, c'est les broderies point compté. Même dedans, j'ai mis des broderies où je dois faire des étapes chaque semaine, par exemple la ronronthérapie. Ça ne doit pas être là-dedans. Voilà. Alors là, c'est quoi? Ah, ben les carottes. Chouette. On va finir les carottes. Alors, les carottes. Alors, hop. Carottes. Allez, on fait le pari que dimanche prochain, je vous les montre terminées. Allez, un deuxième. Les pans. Les pans. Donc ça, c'est les pans royaux de chez All Forest. Un modèle payant, hein, par contre, celui-là. Souvent, on fait des modèles gratuits, mais là, c'est un payant.
Allez, un troisième. C'est quoi ça? Ah, le Caroline Manning. Je l'avais oublié celui-là. J'avais oublié. Ben ouais, je ne l'ai pas fait cette semaine. Voilà. Et un quatrième. Et après, j'en fais des fois plus, hein, vous le savez. Ah, le Fox. Voilà, le Fox. Alors, bah les estampés, je vais rien tirer au sort sur les estampés puisque j'en ai que trois. Donc je verrai, je mettrai la main dans le sac et puis voilà. Alors les salles, bah, pareil, les salles, comme c'est la dernière semaine du mois, il faut que, alors, il faut qu'impérativement, donc je vais me le marquer, impérativement, il faut que je termine l'étape des ours, l'étape de Alice. Et l'étape de Julia, du Old Forest qu'on fait avec Julia. Voilà. Et on, parce qu'après, il me reste le sale mystère et le colibri que je, et le nouvel an. Mais le colibri, le nouvel an, je suis très en retard dessus. Donc, je vais essayer d'avancer. Je ne peux pas dire que je vais terminer une étape. Voilà. En plus, moi, cette semaine, je vais perdre au moins une matinée. Parce qu'il y a une matinée dans la semaine où je remets à jour tous les albums qu'il y a dans le groupe. J'essaie de récupérer toutes les photos qu'il y a dans le groupe pour tous les salles. J'essaie de les remettre dans les albums parce que les filles sont pas, sont vilaines. Elles me mettent toujours leurs photos n'importe où. Voilà, donc bah, je dois chercher après, hein. Je vais punir. Je vais punir. Donc, je récupère les photos. Alors, je sais qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos des broderies, des salles qu'on a fait? Oui, je sais, je dois faire. Je dois faire. De toute façon, il va falloir que je me cadre parce que, y a des choses que je ne fais pas. Et puis, ouais. Donc, je vous disais, je me cale une matinée dans la semaine où je vais remettre à jour tous les albums. Et je dois installer également les nouveaux albums pour le mois de juillet, mais également toutes les étapes. Donc, les plans des étapes, des salles. Voilà, là il va y avoir aussi les nouveaux salles qui commencent. Donc j'ai tout ça à mettre en place sur une matinée. Bon, moi je fais ça toute seule. Donc je peux pas me couper ni en trois ni en quatre, c'est impossible. Donc j'essaye de faire mon possible. Voilà, j'essaye de faire aussi. Bon, nous ça va, on est un groupe très calme. Quand je dis très calme, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. De toute façon, moi, première dispute, t'es dehors. Je cherche même pas d'explication. Tu fous la merde sur le groupe, tu dégages. Voilà. Ça, c'est ma politique à moi. Je ne cherche pas d'explication, rien. Tu fous la merde, tu réponds mal à quelqu'un, tu dégages. Je fais le gendarme aussi pour ceux qui font des pubs là, pour les trucs, faites des économies, nanana, gagnez plus d'argent. Alors, c'est pareil, donc je suis toujours à faire le gendarme pour ça. Ça dégage, c'est bloqué. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de boulot sur le groupe. Et donc là, comme c'est la fin du mois, il y a une matinée sur la semaine, elle va être consacrée au groupe. Voilà, il n'y aura rien d'autre, je ne peux rien faire d'autre.
à ce moment-là. En sachant que moi, j'ai deux autres groupes, et là, j'ai beaucoup de mal à m'en occuper parce que ben, je n'ai pas le temps. Voilà. J'ai un groupe sur le diamond painting et coloriage, et j'ai un groupe, le vide atelier. Ben, ces deux groupes-là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'en occuper parce que ben, j'ai pas de temps. Voilà. Et puis après, ben, ma chaîne, hein, mon Instagram, hein, tout ça. Oh mon Dieu, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Voilà, donc les achats ED, je disais, je ne note rien, je ne tire rien au sort puisque je n'ai que deux achats ED plus ma Steampunk. Donc ça sert à rien que je tire au sort. Et les estampés, c'est pareil. Voilà. Donc là, j'ai juste tiré au sort bah, les broderies point comptés, mais de voilà, les normales. Je me pose une seconde, je vais remplir mon verre. C'est le deuxième hein, que j'ai déjà bu, donc je vais m'en servir un troisième. Heureusement, les toilettes sont pas loin. J'ai des conneries. Je vais me reverser un verre et j'arrive tout de suite pour vous montrer les grandes broderies. À tout de suite, 1h20. Me revoilà. Ça y est, j'ai rechargé les batteries. On peut continuer. En même temps, du coup, j'ai rangé tout ce que j'avais plus besoin. On y voit plus clair. Alors, dans mes grands sacs, alors la première, hop, je prends en suivant. Alors, celle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait une erreur. Donc, c'est les pans royaux de chez All Forest. J'avais fait une erreur ici. Voilà, alors le morceau devait être comme ça, là, ce que j'avais brodé, voilà ce que ça faisait. Donc, ici, vous voyez, là, il y en a un morceau. Il me reste un morceau à rebroder là. Donc, j'ai démonté tout ce matin, enfin aujourd'hui. Et j'ai rebrodé donc tout ça ici aujourd'hui. Voilà ce que j'ai rebrodé. Bon, j'ai un peu galéré pour le démonter, mais j'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'étais avec mon découvite. Et puis, alors, bon, moi j'ai l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude avec un découvite, allez-y doucement, hein, fil par fil. Moi non, moi je passe mon découvite comme ça. Ça va vite. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé de toile. Mais donc, quand vous le faites, allez-y doucement. Mais je fais comme ça, c'est quand il y a justement des grosses parties à démonter. Voilà. Donc là, j'ai fait ça tout à l'heure. Et ça m'a fait. Alors. Sans compter le démontage, bien sûr. Du coup, j'ai rebrodé 280 croix ici. Donc là, c'est fait avec le fil de couleur 550, le mouliné coton DMC. Et ici, mais bon, vous verrez pas bien. Ici, c'est le fil étoile 550. Voilà. Donc, comme je vous avais expliqué, il va y avoir des petites touches par-ci, par-là pour cet ouvrage. Voilà. Je suis contente. Il avance bien quand même. Là, maintenant que j'ai corrigé mon erreur, bon, ben, je vais rattraper le retard. Enfin, il n'y a pas de retard, puisque là, je ne mets pas d'étape, ni de date butoir, rien du tout, ni de nombre de points, rien. Là, j'avance au fur et à mesure que je peux. Mais j'aime beaucoup donc ce modèle, voilà, qui va être un grand. Hein. C'est une grande broderie quand même. Je n'aurais pu vous dire combien de points il y a exactement.
Ticket. Allez, viens là. Alors, les pans, je les ai mis où les pans? Ici, PDF. Hop. Ah ben oui, non, il n'y a pas le... C'est pas le PDF entier, moi, qui soit en bas. Des fois, ça se trouve en bas. Non, je n'ai que les grilles là. Bon, ben, c'est pas très grave. De toute façon, normalement, vous avez le lien en barre d'infos. Si j'ai pas, si je ne l'ai pas oublié, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, la prochaine fois, bah, je vais finir ce morceau-là. Ça va faire comme ça ici, hein, vous voyez. Donc, on retrouve la même chose là. Et je vais essayer de commencer le lion. Enfin, c'est un lion-dragon. Voilà. ici. Ouais. Alors, je vais mettre sur le côté. Pour les grands, c'est plus facile. Alors, combien j'ai dit le nombre de points que j'ai fait. Ouais, 280. Oh non, c'est pas vrai. Vous ronflez. Vous étiez en train de ronfler il y a 2 secondes. Vous vous foutez de maman. Vous vous foutez de maman. Oui, c'est ça. Il est en train de venir me faire des bisous sur la main. Dire maman, on va aller faire pipi, on va aller dehors. Bon, j'arrive. Revoilà. Bon, en fin de compte, ils ont fait leur pipi, mais c'est surtout que en étant ici dans la maison, le volet à moitié fermé, ils ont senti qu'il y avait un chat étranger dans la cour. Le chat, vas-y, je me prélasse. Je fais comme chez moi. Je ne sais même pas qu'il appartient à ce chat. Oh! En plus, là, ben, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je crois. Il va y avoir plein de chatons. Parce que comme la voisine est partie au bled et que son chat, sa femelle, est restée là avec un des chatons, elle n'est pas opérée. Tout à l'heure, les mâles, ils faisaient la queue. À la suite, ils sont montés dessus à 3, l'un après l'autre. C'est pas possible. Donc, je sens que... donc, voilà où j'en étais. Oui, je viens de vous montrer les pans. Alors, ensuite, j'ai fait ma maison météo. Enfin, je n'ai fait que ma fenêtre de la semaine. Hein. Voilà. Il y a un peu plus de jaune. Mais un peu plus de jaune, mais ce n'est pas des grosses températures. Et il a plu toute la semaine. Il faut le savoir. Le jaune, c'est à partir de 20 degrés. Et il a fait grand max 20 degrés. Voilà. On n'a pas dépassé les 20 degrés. Alors cette semaine, paraît-il qu'on devrait avoir un peu de chaleur. Pareil. Hein. Mais... donc voilà. Bon, ça avance tranquillou, hein, une fenêtre à la fois par semaine. Hein. Ça, c'est... Jerry, va au panier maintenant, s'il te plaît. Alors, la maison météo, donc j'ai fait une fenêtre, ça fait environ 150 croix à peu près. Ensuite. Non, j'ai pas fait celle-là. Non, ça c'était la semaine dernière. Oui, là dans cette pochette-là, c'est tout. Puisque je n'ai pas fait la, j'ai pas fait la japonaise cette semaine. Oui, ça va nickel hein, avec les grands métiers à broder là en bois. Ça rentre tout seul. J'arrive à en mettre 3 dans celui-là, enfin je pourrais en mettre 4. Dans l'autre, j'arrive à en mettre 4. Donc il y a... Voilà. Je suis essoufflée. Mais, oh.
entendu, hein. J'ai dit un grand mot. Oh là là, que la terre est basse. Ouf. Voilà. En fin de compte, ils sont solides, hein. Que j'arrête pas de les... quand même de... d'y toucher. Alors, bon, on va prendre le premier qui vient. C'est sûr. Alors, j'ai pas réussi à finir ma case. Je l'ai faite aujourd'hui et c'est vrai que je l'ai fait en dernier. Et là, j'en avais marre arrivé au soir. Donc, je suis toujours sur ma case. Mais vous voyez, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, un petit peu là et là. Voilà. Là, non. Ouais. Voilà, un petit peu ici, un petit peu ici. Et puis là. Alors, je regrette vraiment... qu'il y ait des grands fonds comme ça sur les cases, mais bon, trop tard, hein. Alors ça, c'est le patchwork qu'on fait avec le gang des Québécoises. Mince, je m'étrangle. Comment ça s'appelle, ça? Alors, comment ça s'appelle? Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est celui-ci. Alors, ça s'appelle le Sampler Ornament Square Teal de Maria Ovzanikova. Voilà. Donc, ça, c'est ma première case. On va faire une case... enfin, ouais, une case par... par mois, je sais plus. Non, pas par mois, qu'est-ce que je raconte. Enfin, on a 10 cases à faire jusqu'au mois d'octobre. Voilà, c'est plus simple. On a 10 cases à faire jusqu'au mois d'octobre. Donc, je vous montre les 10 cases. Voilà, donc c'est là, c'est la première ligne, ici en haut. Voilà, celle-là. Donc là, moi, je suis à celle-ci. Et voilà le modèle en entier. Chouette, hein? Chouette, mais long. Alors, il existe en rose, comme ça, et il existe en vert. Voilà, donc il y en a qui le font en vert. Donc, celui-là, j'ai fait 210 croix aujourd'hui, et je suis arrivée à 1%. Les pans, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné le pourcentage. J'en suis à 14,21%. Voilà. Ensuite. Ça, c'est celui que je fais en duo avec Sonia. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Tiens, j'ai pas marqué. J'ai oublié de marquer. Excusez-moi. Du coup, j'ai oublié de le marquer. Il est où? Il est là. Alors, je me le marque tout de suite. Donc, celui-là, c'est... ça s'appelle le, bah c'est le sampler. Moi, je l'appelle le sampler fil étoile. Je vais vous donner son nom. Alors, fil étoile. Alors, donc, j'ai fait 250 croix dessus. Voilà. Et j'en suis à 4,84%. Voilà. Et en tout, j'ai fait, je suis à 1889 croix. Alors, je vous mets la photo également de celui de Sonia. Voilà, je vous remets le mien à côté. Donc, Sonia le fait sur une étamine 12.6 couleur rubis. Et moi, c'est une étamine 12.6 également. Couleur mamas,
Bleu canard, voilà. Moi, c'est bleu canard. Mais très, très sympa à faire. J'ai pas fait d'erreur. Hippi-hippi-bourra! J'ai pas fait d'erreur. Donc, j'ai dit 250. Plus 250. Voilà. Voilà. Voilà, excusez-moi, parce que du coup j'avais oublié de noter des trucs. Je bois un coup. Ensuite. Alors, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est celle-là. Enfin, j'ai avancé un peu, mais on n'a pas l'air de d'avancer beaucoup quand on est au début de ce genre de broderie. C'est après, quand on va commencer à voir vraiment les motifs apparaître, les visages, les fleurs, les voilà, suivant les dessins, c'est là qu'on va dire, ouais, ça y est, on avance, c'est top. Alors, celui-là, c'est ma steampunk, voilà. Et donc, j'ai travaillé ici. Alors, vous voyez, j'avais commencé bien en diagonale, hein, mais là, je pars un peu en vrille parce que j'ai envie de voir les motifs. Là, c'est le début de son chapeau, ici, voilà. Là, c'est la première rose qu'on voit. Et donc, là, j'ai fait 411 croix. Et j'en suis à 2,12%. Et j'en suis loin encore, hein, celui-là. Voilà. On commence la rose, on commence à la voir se dessiner. C'est vraiment top. Donc là, j'ai hâte quand même que ça avance. Alors, j'ai eu un peu de mal, c'est ici, dans le chapeau. Parce que dedans, il y a du noir, il y a du 939, il y a du marron foncé, très foncé. Alors, j'avais un peu de mal à visualiser pour piquer. Bon, ça va, je m'en suis sortie, mais j'avais un petit peu de mal. Voilà. Bah, écoutez, niveau des grandes broderies, je crois que je vous ai tout montré. Ouais, je pense, hein, je regarde la maison météo, les pans, le patchwork, là le sampler que je viens de vous montrer, la broderie steampunk. Ouais, voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les broderies de la semaine. Oui, parce que ça, c'est sur une semaine, hein, ce que j'ai fait, bien sûr. Bon, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. C'est ce que je vous disais, il y a des moments, bon, j'ai pas envie, je change, puis je fais une autre broderie, mais bon, on s'en fiche. On n'est pas à l'école où il faut suivre ce qui est prévu. Alors, niveau broderie, la dernière chose, c'était le challenge. Challenge des petites croix. Alors là, je viens de refaire mes calculs puisque j'avais oublié deux broderies. Et du coup, j'ai explosé le compteur de croix cette semaine. Je ne pensais pas, mais je l'ai explosé. J'ai fait 5070 croix sur la semaine. Donc c'est vraiment top. Je suis contente, je suis fière de moi. Voilà.
Et encore, j'ai pas compté les quatre cases de Lily-Point. Donc, vous voyez, bon, c'est pas très grave. Mais là, bon, j'en ai compté 5070. Ouais, je suis contente. Bah, écoutez, la semaine prochaine, on reprend les mêmes et on recommence. Hein, on va refaire son petit challenge, toujours de 3000 croix. C'est pas parce que je fais plus de croix que je vais augmenter mon quota de challenge. Je le laisse toujours sur 3000. Parce que bah, je vous dis, il y a des semaines où des fois je ferai moins, il y a des semaines où je ferai plus, comme cette semaine. Voilà. Et là, bon, je sais que mardi matin, j'ai une personne du bailleur de la maison qui vient. Donc, bon, je ne pense pas qu'elle va être là longtemps, mais bon, pendant le temps qu'elle sera là, que je parle avec elle, c'est du temps que je ne vais pas pouvoir broder. Lundi matin, bon, ça. Attendez, je suis là, vous l'aurez. lundi matin, mais là elle vient de bonne heure, donc c'est pas à l'heure où je brode. J'ai ma prise de sang et on doit aller. Alors on ne va jamais à Auchan, c'est vrai, on ne va jamais à Auchan. Et là on a décidé d'y aller cette semaine parce que ben, y a des choses qu'on trouve plus dans nos supermarchés ici à la où on habite. Du coup, on s'est dit, bon, on va aller faire un tour à Auchan. Peut-être y aller comme ça une fois par mois. Ça y est, je bâille. On va y aller peut-être une fois par mois seulement. Mais c'est vrai qu'on pense jamais à y aller. Mais j'ai l'impression que peut-être Auchan, c'est plus cher qu'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. De toute façon, on y va avec une liste de courses et on ne va pas y déroger. Je range mes grandes broderies et je vous montre le tricot. On est à 1h40. Allez, dernière partie de la vidéo. Il est 23h tout pile. On va essayer de ne pas dépasser 23h30. tricot. Alors, j'ai travaillé sur deux pulls, principalement sur un, et j'avais retravaillé donc sur un pull aujourd'hui un petit peu. Je pensais réussir à arriver aux épaules, il me reste presque rien, hein. Il me reste 2 cm pour arriver aux épaules, mais bon, après, il était l'heure de préparer un souper. Donc, je n'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Alors, je suis d'abord. Voilà. Sur mon pull Armel. Donc, c'est un modèle fil d'art, hein, vous savez. Voilà. Que j'ai rallongé de 10 cm. Voilà, parce que moi, avec mon gros bidou, bah, il faut que je rallonge. Hein. Sinon, ça aurait été trop court. Le pull me serait arrivé au-dessus du ventre. C'était même pas la peine. Il serait resté dans le placard. Donc, voilà. Et donc là, c'est un jersey. Donc, c'est un jersey, mais vraiment léger. Hein. Vous voyez, on voit mes doigts à travers si je tire. Donc là, il me reste 2 cm environ. Et j'attaque les épaules. Donc, le dos sera terminé. Donc, je pense que pour la semaine prochaine, le dos sera fini. Et j'essaierai de commencer peut-être un peu le devant. Je suis contente quand même. Hop, je le replie bien pour pas qu'il chiffonne trop. Alors, celui-là, je vous remontre avec quoi je le brode. Oh, c'est une manie, ça. À chaque fois que j'arrive au tricot, je peux continuer à parler broderie. Voilà. Avec le fil eucalyptus 100% lyocèle et c'est la couleur c'est quelle couleur ça? Oh, je sais plus. Je sais plus. Bon, mais de toute façon celle-là n'existe plus chez Fildart, donc voilà. Moi j'en avais racheté parce que vous vous rappelez, c'était des, c'est pas des gratuites.
C'était ah, ça y est, c'est là je commence à chercher mes mots. Chez Fildar, ils font des lots de laine que vous payez dans les 30 euros. Vous faites donc vous avez le choix entre l'acrylique, entre le coton et les laines spéciales. Et donc moi je crois que j'avais pris une laine spéciale. Et donc vous avez plein de pelotes, mais elles sont pas, vous n'avez pas une rouge, une verte, une bleue, voilà, non. C'est vraiment des paquets et pour que vous puissiez faire des choses avec. Donc ça, j'en avais eu 10. Là, j'en ai une aussi. Voilà, celle-là, j'avais eu de la pingouin, j'en avais eu 10. Voilà, c'est vrai, j'ai eu que des paquets de 10. Et donc, je peux faire quelque chose avec. Sauf que moi, bah, je suis un peu enrobée. Voilà, comme dirait Obélisque. Et je sais que comme j'ai rallongé mon pull, 10, j'en avais pas assez. 10, c'est ce qu'il y avait besoin pour, je crois que le modèle, ouais, ça devait être 10, 10 pelotes pour faire le modèle. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Et du coup, j'en ai retrouvé chez Mondial Relais. Mondial Relais. Oh, c'est grave là ce soir, je commence à être fatiguée. Chez Mondial Tissu, voilà. Mais sur internet. Et donc pour faire ce pull-là, j'avais besoin de dans ma taille, hein, je vous parle en taille 50-52, 10 pelotes. Voilà. Et donc moi j'en ai racheté deux ou trois, je ne sais plus, deux je crois, pour pouvoir faire mon pull un peu plus long. Voilà. Donc peut-être qu'il m'en restera encore, hein, peut-être que j'ai trop compté, mais j'ai préféré faire ça. Bon, j'ai eu du mal à la trouver, parce que je vous dis, celle-là n'existe plus dans cette couleur-là. Donc j'avais eu du mal à trouver quand même. Donc des fois, n'hésitez pas quand il vous manque une ou deux pelotes que vous ne trouvez plus chez Fildar, chez Bergère de France, voilà. N'hésitez pas à aller voir bah, sur Mondial Tissu, sur le site hein, surtout, sur Mondial Tissu et aussi sur Sperenza. Sperenza fait plein de marques de laine et des fois il a encore en stock des anciennes laines. Donc n'hésitez pas à aller voir quand il vous manque une ou deux pelotes pour terminer un pull. Donc voilà. Alors, deuxième pull que... Ah, attendez, mon sac est coincé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. J'en ai marre de tous mes sacs. Non, non, mon sac. Mais je les aime bien. Le deuxième pull que j'ai terminé, pas terminé, pardon, que j'ai presque terminé, c'est le pull de Chouchou. J'ai super bien avancé dessus. Alors. Alors, par contre, c'est pas pratique parce que là, je tricote avec trois aiguilles dans les mains. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, de toute façon, vous allez comprendre. Bon, là, j'en ai une qui est là, mais dont j'ai besoin. Il commence à faire noir dans la pièce, du coup, je vois plus rien. Bon. Y arriver. Attendez, je me dépatouille. Voilà. Hop. Tili. Tili. Alors, je suis arrivée. Alors, j'arrive bientôt à l'épaule là. Et donc, je suis ben, au col. Voilà. Bon, là, hop.
Bon, c'est un peu plus bas, hein, c'est parce que là, c'est difficile à vous montrer. Voilà, j'ai attaqué le col et là, je vais arriver à l'épaule. Voilà, je suis contente. Donc, il me restera à faire la deuxième, bien sûr. Mais là, du coup, ça va plus vite puisque y a des diminutions. Donc, tous les deux rangs, ben, il y a une maille en moins, hein. Donc, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, je l'ai bientôt terminé. Dès que j'ai fini ça, je vais faire l'assemblage. Et après, non, je vais faire dans l'autre sens. Hop, voilà. Je vais faire l'assemblage. Et après, je vais... bon, je vais y arriver. Oh, c'est pas possible, ça. Et après, je vais faire les côtes du col et les côtes autour des emmanchures. Et ça, normalement, je vais le faire avec les aiguilles circulaires. Voilà. Oui, vous avez bien entendu. Avec les aiguilles circulaires. C'est la seule chose que je fais avec les aiguilles circulaires pour le moment. J'ai toujours pas essayé. Bah, de toute façon, là, tant que j'ai pas terminé les pulls, je n'essaye rien d'autre. Mais voilà. Alors, j'ai pas compté combien de rangs, mais là, il y a quand même pas mal de. Enfin, pas mal, ouais, il doit y avoir peut-être 30, 40 rangs que j'ai dû faire. C'est peut-être. J'ai pas compté là, puisque une fois que je suis arrivée à l'épaule, j'ai arrêté de compter. Voilà, donc il me reste encore à avancer aussi mon pull Filda, le marron, enfin le beige. Je vous avais expliqué, hein, j'arrive au point fantaisie, et donc vous m'avez tout expliqué à plusieurs dans les commentaires ce que je devais faire. Donc je vous en remercie toutes. Et donc cette semaine, je vais essayer de m'attaquer à ce point fantaisie. J'espère y arriver, hein, je ne suis pas plus con qu'une autre, comme on dit. J'espère y arriver et ben, je vous dirai. Si vraiment je n'y arrive pas, ben, je vous avais dit, hein, je ferai un point de riz ou alors ben, hop, je termine en jersey, puis basta, je termine le pull comme ça. On verra bien. Voilà, niveau laine, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas touché à ma couverture. Là, la couverture, je vais la faire demain en montant la vidéo. Là, j'ai quand même un petit peu de retard dessus, mais c'est un retard qui va se rattraper très facilement. Et comme je vous avais dit, j'avais réfléchi, donc ouais, je vais faire très certainement des housses de coussin pour finir l'année. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. La fifille, hein. Elle doit le sentir quand je commence à dire que ça va être la fin de la vidéo. Elle doit le sentir. Attendez. Hop, voilà. Comme ça, vous la voyez un petit peu hein, quand même. Bon, vous me voyez moins, moi, mais c'est pas grave. Vous m'avez vu pendant 2 heures. Du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà. Tu m'as coupé la chic. Fais un bisou, maman. Fais un bisou. Non, bisou. Bisou. Non? Bon, tu fais des câlins. Voilà. Donc, j'espère, pareil. Terminer ou être presque à la fin de mon pull pour chouchou, le débardeur. J'espère arriver à la fin. J'espère également avoir terminé le dos. Et j'espère réussir à vous faire un podcast tricot cette semaine si j'arrive. Là, demain soir, j'ai une, deux, trois. Ouais, j'ai 4 vidéos à vous tourner. Ce sont des 4 unboxings. Donc, vous savez que maintenant, moi, les unboxings, je ne les mets que le lundi sur ma chaîne. Donc là, j'en ai 4 à tourner.
4 ou 3, attendez, non, 4. Lundi, normalement, si j'ai réussi à tout tourner, à tout filmer, vous aurez 4 vidéos unboxing. Je trouve que c'est beaucoup, mais bon, comme je ne veux pas les mettre sur une autre journée. Je pense également vous faire peut-être cette semaine également une vidéo sur les broderies oubliées. Voilà. Une vidéo aussi. Alors, peut-être que ça se fera sur plusieurs, pas une semaine, mais sur 15 jours, on verra. J'ai une vidéo sur mes livres de broderie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous faire? J'avais pensé à des trucs, mais bon, j'ai tout marqué sur mon autre carnet. Voilà. Bon, voilà déjà ce que vous aurez. Je vais faire aussi la broderie pour le Autumn Quaker que je vais bien recalculer parce que là, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Et puis voilà, je pense que ça devrait le faire. Si vous avez des demandes spécifiques de vidéos, dites-le moi en commentaire, hein. Si je peux vous le faire, je le ferai avec grand plaisir. Si je ne peux pas, je vous le dirai aussi, hein, vous inquiétez pas. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Là, j'attends une commande de mère en fille. Alors, j'aime beaucoup cette boutique. J'aime bien cette boutique. On trouve pas mal de choses. Mais alors, le service livraison, c'est une horreur. Là, j'ai passé commande le 9. Ouais, le 9 juin. C'est toujours pas expédié. Toujours pas. Je ne sais pas comment Noémie s'y prend pour. Ou alors elle a un travail à côté. Elle travaille peut-être en plus de sa boutique, je ne sais pas. Et du coup, elle a moins de temps pour s'occuper des envois de la boutique. Mais c'est bien dommage parce que du coup, quand on attend quelque chose en urgence pour une broderie ou quoi, là, moi, là, c'est des toiles que j'attends. Voilà. Non, c'est vraiment dommage. Là, on est quoi? On est le 21, 22, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dimanche 23. Ouais, ça va faire 15 jours que j'attends. C'est un peu long là pour la livraison. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, c'est une super boutique, hein. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais là, cette fois-ci, et souvent, j'ai remarqué que c'est à chaque fois qu'elle fait des promos. Elle fait des promos, mais du coup, elle s'en sort pas. Donc, je ne sais pas si elle est toute seule pour le gérer, si elle bosse à côté, ou là, je sais qu'il y a un truc qu'elle doit me faire, qu'elle m'a dit, je te le fais tout de suite, t'inquiète pas. Ça fait une semaine que j'attends. donc, voilà. Donc, il y a un problème au niveau de la gestion des livraisons. Mais c'est vraiment bien dommage parce que du coup, ça ne donne pas trop envie de commander des choses quand on a besoin en urgence de commander chez elle. Voilà. Bon, ceci dit, mais ce n'est pas pour dire du mal, hein, bien au contraire. Mais il y a juste peut-être quelque chose à revoir ou voilà. Ou si elle a du mal à gérer, revoir un peu la façon de faire. Donc voilà. Écoutez, là, on est bientôt à 1h58. Ouais, 58, 10 secondes, 12 secondes, 13 secondes.
Bah écoutez, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà. J'espère que vous rigolez tout le temps hein, quand vous regardez mes vidéos. Je sais que certaines d'entre vous rigolent en regardant mes vidéos. Moi, ça me plaît. Hein. Sur la dernière vidéo, je sais que quand je vous présente la box à Sylvie, certaines d'entre vous étaient mortes de rire quand je sniffais le stick de chocolat que Sabine avait mis dans les box. Ça sentait tellement bon. En plus, je l'ai bu tout à l'heure. Oh, oh, c'était trop bon. J'en ai gardé un pour ce dimanche, parce que j'en avais eu deux. Donc ce dimanche, je vais boire le deuxième. C'est trop, trop bon. Voilà. Bon, ben, Fifi est fatiguée. Donc, elle va aller faire dodo. Pacha, panier. Non, il n'y a plus de sortie. Au panier. Allez. Dépêche-toi. Donc, voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Il va être 2 heures de vidéo. Il va être, ça y est, 2 heures. Allez, à bientôt. Thank you.